Alors du coup, toi, t'es sur Instagram, sur Snapchat et sur YouTube. Et sur YouTube, ouais. C'est pas trop dur à gérer tous ces comptes? Franchement, c'est chaud parce qu'il faut être tout le temps présent sur les réseaux, faut tout le temps être actif. Donc ouais, ça demande du temps, ça demande du taf. Mais bon, après, j'aime bien ce que je fais, donc finalement, je prends du plaisir à le faire. Là, il y a une vidéo qui marche souvent, que tu fais très souvent. Rabia des environs. D'où ça vient? D'où tu les as trouvés, cette idée? Alors là, pareil, j'étais dans mon lit, je me faisais chier, j'étais comme ça. Et il y avait un effet sur Snap. Souvent, il y a des effets sur Snap. Et il y avait un effet, il était dégueulasse. C'était un rouge à lèvres avec un visage tout fin et tout. J'ai dit, tu sais quoi, Rabia, ça fait blédard. Environ, ça fait, ça fait chelou. Et après, j'ai lancé ça. Bah justement, il y en a une qui nous demande, c'est Odai. Elle nous demande, elle est où, Rabia? Rabia, elle est où? Je sais pas. Elle est dans les quartiers. Oh. C'est Rabia des environs, en direct next, please. Faut poser des questions. voilà, et moi, vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui me demandaient Rabia. Rabia est là, elle est avec nous. Rabia des environs, des quartiers aussi, c'est pareil. Est-ce que des vidéos avec tes potes youtubeurs, tu vas en refaire, tu vas continuer à en faire? Est-ce que dans les autres qui arrivent? Il y a une vidéo qui arrive, donc je suis en train de la préparer, je suis en plein montage. Elle sort, je vais essayer de la sortir soit vendredi, soit samedi. Sinon, là en ce moment, je fais des vidéos avec mes potes. Mais pourquoi pas faire des vidéos aussi avec d'autres youtubeurs? Oui, C'est qui tes vrais potes sur YouTube? Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu as que Jmax? J'en ai trois, c'est ceux à qui je suis abonné. Donc, Bon, moi, c'est ceux ça. avec qui je traîne en fait souvent. Donc, c'est Paul Cabessa, Jmax et Pembe Sherol.